Bienvenue dans le 13h de la radio B24 de ce jeudi 6 juillet 2023. Le sommaire. L'ambassadeur Toro Justin Woro prend officiellement fonction. Le nouvel ambassadeur du Burkina Faso à Berlin a présenté le 12 juin dernier ses lettres de créance au président de la République fédérale d'Allemagne. On parlera sport dans ce journal-là, notamment de l'athlétisme. Deux nouvelles médailles au lancer et au saut en hauteur pour le Burkina Faso. Ramiz Ouédraogo et Timothée Dengani qui font parler d'eux en remportant respectivement une deuxième place à Montréal au saut en hauteur et une première au lancer lors du meeting de lanceurs à Abbeville. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a visité le mercredi les stands du Salon international Synergie, Sûreté, Sécurité et Défense, SISDEF, qui a ouvert ses portes le mardi 4 juillet 2023 dans la capitale burkinabé. Pour le commissaire du SISDEF, Yacinthe Zouré, la visite du chef de l'État montre qu'il est proche de son peuple. Placé sous le thème « Quelle contribution au secteur privé dans sa sécurisation des États ?», cette première édition réunit tous les corps militaires et paramilitaires ainsi que les acteurs du secteur privé qui proposent des outils et des services de sécurité et de défense. Des panafricanistes du Burkina Faso et d'ailleurs ont symboliquement remis du matériel médical aux blessés du centre médical du camp général Aboubakar Sangoulé Lamizana à Ouagadougou hier mercredi 5 juillet 2023, composé de compresses, coton, seringues, médicaments. Ce don a été remis au centre médical du camp général Aboubakar Sangoulé Lamizana. Selon Donald Diabanza, panafricaniste, ce geste a été motivé par ce que recommandent les traditions et valeurs africaines, à savoir privilégier toujours la communauté au lieu de l'individu. Pour Sosten Somda, médecin colonel-major directeur du centre médical du camp général Aboubakar Sangoulé Lamizana, le plus important, c'est la symbolique derrière ce geste et non la valeur financière. Toute autre chose à présent, le premier vol retour des pèlerins est arrivé à l'aéroport international de Ouagadougou dans la nuit du mercredi 5 juillet 2023 aux environs de 23h. Jusqu'au 18 juillet 2023, les 8143 pèlerins burkinabés seront de retour au pays, ce après un séjour de 5 semaines en terre sainte d'Arabie Saoudite où ils ont effectué le Hajj, le cinquième pilier de l'islam. Selon un premier rapport du Comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque, l'organisation s'est bien déroulé dans son ensemble et beaucoup de prières et d'invocations ont été faites pour le retour de la paix et de la sécurité au Burkina Faso. Je vous le disais en titre, l'ambassadeur Justin Woro Toro a pris officiellement fonction. Le nouvel ambassadeur du Burkina Faso à Berlin, République fédérale d'Allemagne, a présenté le 12 juin dernier ses lettres de créance au président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter. Cette cérémonie fait suite à la remise le 7 juin dernier des copies figurées de ses lettres de créance au chef du protocole du ministère fédéral des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne. Pleinement investi, l'ambassadeur Woro Toro a eu un tête-à-tête avec Frank-Walter en traduisant au président fédéral les salutations cordiales et chaleureuses du capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État. Il a également signifié la volonté de Ouagadougou de poursuivre et de resserrer les liens d'amitié et de coopération avec Berlin. Notons que la juridiction de l'ambassade du Burkina Faso à Berlin couvre 5 pays, la République fédérale d'Allemagne, la République de Pologne, la République de Lituanie, la République d'Estonie et la République de Lettonie. Parlons sport pour clore ce journal-là. Deux nouvelles médailles au lancer et au saut en hauteur dans les armoires. Ramiz Ouédraogo et Timothée Lengani font parler d'eux en remportant respectivement une deuxième place à Montréal au saut en hauteur et une première au lancer lors du meeting du lanceur. Ramiz Ouédraogo est le champion du Burkina Faso en saut en hauteur et son record personnel est de 2,08 mètres. C'est ici que s'arrête l'actualité de ce jeudi 6 juillet 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Je vous retrouve demain pour d'autres sessions d'information. Au revoir.